Son nom, c'est Matsaki, un artiste originaire d'Osaka, au Japon, et c'est la première fois qu'il expose en France. Ça se passe à la galerie Perrotin, dans le 3e arrondissement de Paris, et c'est totalement gratuit, ça on aime bien. Matsaki, pour le resituer, c'est une véritable star à l'international, mais nous, en France, on le découvre. Et quelle découverte, écoutez, c'est en quelque sorte un Léonard de Vinci graffeur, ou plutôt un peintre capable de réaliser la Joconde à la bombe de peinture. Son credo, c'est ici de détourner les grandes icônes de l'histoire de l'art, comme la liberté guidant le peuple, en faisant un remake original réalisé avec les bombes des street artistes à la place des pinceaux, du graffiti qui remplace la peinture classique. Donc résultat, ça va plus vite, nous dit l'artiste, qui aurait même réalisé des œuvres avec des bombes de peinture dans les deux mains, simultanément, comme les joueurs de cartes de Cézanne notamment. Pour cette exposition, l'artiste a fait le tour des musées parisiens pour trouver l'inspiration. Ingres ou Manet, à vous de reconnaître ses chefs-d'œuvre. Mais l'artiste nous invite aussi à décoder ses peintures. Vous y verrez des larmes ou bien des sourires, à vous de voir. Il paraît que cela permet de sonder votre humeur du moment.